Good morning, allez Yiden, les tutos aujourd'hui, le Lonishmat, Mori Rabbi Shmuel ben Shlomo Zalman, Nissim ben Nahouda, Sarah Batrana Rachel, Shlomo ben Esther, Risha Batraim Nechemia, ainsi que l'Irfouat Avram Uri ben Reut Betor Shachol Israël. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez sa communauté éternelle. Nous étudions Maserhet Zvachi, Berigudalet, Mishnah Dalet. Hachel Hukam, Mishkan, Ayu Abamot, Mutarot, Vavoda, Babechorot, Mishé Hukam, Mishkan, Nesu Abamot, Vavoda, Bakuanim. Kochikadashim, Nechalim, Nefinemena Kelaim. À partir de cette Mishnah jusqu'à la fin de Maseret Zvachim, on va aborder un sujet très intéressant, le sujet des bamot. Une bama, littéralement en hébreu moderne, c'est une estrade. En réalité, c'est un monument sur lequel on offre un korban, ça veut dire qu'on a construit un autel. Il faut savoir, on rencontre dans la Torah, Avraham, Yitzhak, Yaakov, on fait des korbanot sur des autels, chacun là où il voulait. L'autre, il était à Be'er Sheva, Avraham. Il a fait un korban là-bas, Be'er Sheva. Yaakov Avinu aussi, lorsqu'il a eu besoin de faire un korban, il a construit, il a pris une pierre, il a désigné, et là, là-bas, il a fait un korban sur l'Abama. Nos ancêtres, au pied du Sinaï, ils ont fait des korbanot, avec Rivolot et des Shlamim, ils ont fait des korbanot, d'accord? Comment est-ce qu'on faisait pour faire un korban? Eh bien, il n'y avait pas de Mishkan, il n'y avait pas de Bet Hamikdash. On prenait une pierre, on construisait une pierre, un Misbeach, et on égorgeait l'animal, on aspergeait le sang dessus, on faisait brûler, et voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle une bama. Il y a quelque chose d'original tout au long de l'histoire, c'est qu'on va rencontrer des périodes, on va rencontrer des névim, plutôt des juges, qui vont faire des korbanot sur des bamot tout au long de l'histoire. À notre époque, c'est défendu de faire une bama, de construire un hôtel particulier chez soi, et de faire là-bas un korban. Et le but de toutes ces Mishnayot, en fait, c'est d'aboutir justement à cette halakha, qu'aujourd'hui, on n'a plus le droit de faire un korban dans notre cour, même si on n'a plus de Bet HaMikdash. Mais pour pouvoir introduire ça, alors la Mishnayot et la Gemara vont nous faire des historiques très intéressants en nous montrant qu'il y a eu des montées et des descentes. Il y a eu des périodes de l'histoire où on avait le droit de faire des korbanot particuliers, chacun dans sa cour, et il y a eu des fois où c'était devenu interdit. Et le but des Mishnayot va être de nous faire un petit peu de l'ordre, de m'expliquer quand oui et quand non. D'accord? Le principe, d'abord, je vous jette une première idée. Tout d'abord, c'est que lorsqu'il y a un lieu public pour offrir un korban, de manière générale, on aura tendance à interdire de faire un misbéach personnel particulier. Il y a un lieu public, va au lieu public. Dès qu'il n'y a plus, alors ça devient permis de le faire dans ta cour. Avec une particularité, c'est qu'à partir du moment où la shrina, on est arrivé, elle a menoucha, ve'el anachala, comme le pasuk nous dit, qu'il obatem adata el amenucha bel anachala, un pasuk dans Devarim, dans, je crois, Ré, Kev, qu'il obatem adata el amenucha ve'el anachala, vous n'êtes pas encore arrivé au repos total et à l'héritage. Il y a une halakha particulière qu'on va apprendre, que dès que la shrina, elle va arriver dans le Bet HaMikdash, au lieu fixe éternel, où Bezrat Hashem, Hashem reviendra et nous reconstruira le Bet HaMikdash, alors désormais, on n'aura plus jamais le droit de faire des korbanot particuliers. Tandis que lorsqu'il y a eu des périodes de l'histoire où on a eu un lieu public pour aller faire un korban, que ce soit le Mishkan dans le désert, que ce soit à Nov, à Givon, à Shiloh, à Gilgal et à Shiloh, alors là-bas, on verra que des fois c'est permis, des fois c'est interdit, selon des critères particuliers qu'on découvrira. Ok, maintenant, avant de lire la première phrase, précision importante de langage, il y a ce qu'on appelle le Mishkan et le Bet HaMikdash. Deux choses différentes. Le Mishkan n'est pas le Bet HaMikdash. Mishkan, ça signifie le lieu où réside. C'est une résidence temporaire. Ça représente le Mishkan que nos ancêtres ont construit dans le désert, qui était mobile. Il était construit, le Mizbeach, il était en cuivre. Le Echal, il était en bois recouvert d'or. On pouvait le prendre, le plier, le déplacer. Et d'ailleurs, on se déplaçait dans le désert. Ça, c'était le Mishkan. Il est arrivé en Israël, il a été fixé dans un endroit, des fois oui, des fois non. On découvrira Bezrat Hashem tout ça. D'accord? Jusqu'au grand jour où on a construit, où Shlomo HaMelech a construit le premier Bet HaMikdash en pierre fixée au sol. Là, ça y est, c'était le top. On est arrivé chez nous. La Shrina, elle est arrivée chez elle, Kivirchol. Et donc, du coup, là, ça a pris un autre statut. Donc maintenant, lorsqu'on va parler du Mishkan, faites attention, on parle du tabernacle mobile. Donc, Hachelo Hukam HaMishkan, tant que le Mishkan n'a pas encore été dressé, c'est-à-dire qu'il a été construit par nos ancêtres, mais tant qu'il n'était pas encore opérationnel, Hayu Abamot Mutarot, les Bamot, les hôtels, avec un U, bien sûr, hôtels particuliers, personnels, que chacun construisait chez soi, étaient permis,
Va'avoda ba'bechorot. Et le service était réalisé par des bechorot. Soit, tant qu'il n'y avait pas eu le Mishkan, construit et opérationnel, si je voulais faire une Ola à Hachem, eh ben, je construisais dans mon petit jardin, je construisais un hôtel, j'appelais mon fils Bechor, parce que moi je ne suis pas Bechor, j'appelle mon fils Bechor et je lui dis, vas-y, offre cet hôtel, offre ce sacrifice à Hachem, et c'est comme ça qu'on faisait. Par contre, Mishéhukam à Mishkan, depuis que le Mishkan a été dressé, alors là, on a changé, Ne'esru Habamot, les Bamot sont devenues interdites. On n'a plus le droit, parce que maintenant, il y a le Mishkan, il y a le lieu public pour faire le Korban. Ouais. Alors, tu ne fais plus des Korban personnels chez toi, tu viens là où tout le monde le fait. Va Avoda Bakohanim. Et désormais, la Avoda, le service, doit être réalisé par les Kohanim. Ok. Deux notions, juste à bien expliquer, que le travail d'avoir la Avoda qui était faite par les Bechorot, c'est déduit du Pasuk dans Mahamad Arsinaï. Sous le pied du Sinaï, là-bas, le pasouk, il a dit « Vaishlach et nareb en Israël, vaizbechou olot, vaikrivou shlamim, ou vaikrivou olot, vaizbechou shlamim, j'ai plus un pasouk dans Shemot Rav Dalet qui est rapporté dans le Bantenora, pas intégralement. » En nous disant, donc, il a envoyé les nareb en Israël, on déduit là-bas que c'était les bechorot, les garçons aînés des familles, c'est eux qui devaient faire la voda. Ensuite, il s'est passé qu'il y a eu le chet à Egel, la faute du Hodor, Hachem, il a pris à la place les Lévi'im, que sont restés la tribu intègre, qui n'a pas du tout fauté, et qu'au contraire, ils sont partis venger l'honneur d'Hachem, ils ont tué tous ceux qui avaient fauté dans le veau d'or, et c'est au contraire, donc du coup Hachem, il les a pris à la place des Bechorot. Ok ? Donc, va Avoda, va Bechorot. Ça, c'est le travail, il était par les Bechorot, mais ensuite, c'est devenu Avoda, va Kohanim. Hachem, il a pris les Kohanim à la place, c'est-à-dire la tribu des Lévi, à l'intérieur des Lévi, il a pris les Kohanim plus précisément pour faire le service. Ils se partagent le travail des Kohanim, ils font les korbanot, ils offrent le sang et tout ça. Et les Lévi, ceux qui s'occupent de la bonne gestion du Bet Amigdash. Ensuite, la Mishnah continue en me disant Kodshe Kadashim Ne'echalin Lifnim en Akedaim Kodashim Kalim Bechol Machane Israël. Alors, il y a quelque chose d'intéressant. Pour rappel, on a déjà évoqué plusieurs fois le sujet. Lorsqu'on était à Yerushalayim, alors là-bas, il y avait les Kodesh Kodashim qui étaient mangés dans l'enceinte du Beth Amikdash, dans la Hazara, et il y avait aussi d'autres, les Kodashim Kalim, les Shlamim, Toda, Becho, Maaser, qu'on pouvait aussi, même Pessah, qu'on pouvait manger dans tout Yerushalayim. Donc on a regardé qu'on a deux limites. On a une limite plus large et une limite plus restreinte. Les Kodesh Kodashim restreint dans la Hazara, Kodashim Kalim dans tout Yerushalayim, mais pas à l'extérieur du Yerushalayim, d'accord ? Ça nous fait trois limites, donc l'extérieur du Yerushalayim, à l'intérieur du Yerushalayim et à l'intérieur du Beth Amikdash. En parallèle, lorsqu'on a eu le Mishkan dans le désert, alors, là-bas il y avait un problème, c'est qu'on n'avait pas tout Yerushalayim, il n'y avait plus de murailles à l'extérieur. On sortait on était dans le Echal, dans la grande cour du Mishkan, il y avait là-bas le Echal, le Mizbeach, et on sortait, on était déjà complètement le nez dehors. On était où ? On était dans le Machane Israël. Et en fait, il y a l'extérieur du Machane Israël aussi. C'est pas exact. En fait, le Machane Leviya et l'extérieur du Machane Israël, en parallèle, si on veut faire le vrai parallèle, ça correspond à tout Yerushalayim, Arabaït et à l'intérieur de Benigdash. Pour le moment, on parle pas de Arabaït, ça changerait en problème. Au contraire, puisque les Korbanot, il n'y a pas de Korban qui est mangé que dans Arabaït, en fait. Donc en fait, on a la Hazara et Yerushalayim. En parallèle, on avait. Dans le Mishkan, il y avait les Klaïm, à l'intérieur des Klaïm, à chaque fois on dit Khoutz les Klaïm, c'est parce que les Klaïm, ça signifie c'est les teintures, les tissus, les, je sais pas comment dire, les tapis, enfin bref, les teintures qui encerclaient le Beth Amikdash, c'était aussi en mobile, donc c'était pas en dur, la paroi, et donc ça s'appelait les Klaïm, et il y avait l'intérieur des Klaïm et l'extérieur des Klaïm. Maintenant, l'extérieur des Klaïm, c'était où la dernière limite ? C'était ce qu'on appelait le Machane Israël. Il n'était pas délimité, il n'était pas encerclé, mais malgré tout, c'est le Machane Israël. Donc, en parallèle, les Kodesh Kodashim étaient mangés dans la Hazara, et les Kodashim Kalim étaient mangés dans tout le Machane Israël, et pas à l'extérieur, ce que la Mishnah est venue nous enseigner. Précision intéressante dans le Bartenora, histoire d'élargir la culture, c'est qu'à notre époque, bien sûr, on a dit qu'on n'a plus le droit de faire des korbanot dans les Bamot. Par contre, les Goïm ont le droit de faire des korbanot dans les Bamot. On a le droit de leur enseigner comment faire, ça rapporté dans le Bartenora. À partir de la Gemara, on a le droit de leur montrer comment faire les korbanot, de tout leur expliquer. On n'a pas le droit de faire le korban à leur place, parce que nous, on n'a pas le droit de le faire. Mais s'il y a un goy qui veut faire un korban à Hachem, eh ben on peut
tout lui expliquer comment est-ce qu'on va construire un misbéach, comment il va devoir attraper le couteau, égorger, asperger le sang, faire monter toutes les parts. On pourra le faire, c'est ce que le Barthénois ira longer ici pour nous expliquer. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha. Kol Tov, Selah.